Bienvenue dans ce nouveau numéro des Trophées d'été. C'est la canicule dans le studio. Moi, il fait 50 degrés depuis qu'on y est. Mais tout va bien. Et vous avez, vous, un devoir, c'est d'aller cliquer sur le pouce en l'air sur YouTube pour désigner votre invité préféré, celui qui est nommé pour être demain l'invité de Bistrot Liberté. Et notre sélectionné du jour est... la directrice de l'ICEP, Marion Maréchal. Merci Élise. À tout de suite et à bientôt pour vous. Maréchal, la presse s'intéresse à votre parcours politique de plus en plus. Vous faites même l'objet d'un livre intitulé « La nièce ». « Rançon de la gloire ». De Michel Henry, ancien journaliste de Libération. Dans l'ouvrage, l'auteur vous traite d'héritière et de bourgeoise de l'Ouest parisien. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait peut-être un peu caricatural ? Je n'ai pas lu ce livre pour être tout à fait honnête. Bon, après, c'est un ancien journaliste de Libération, hein, donc il ne faut pas non plus lui demander d'aller au-delà de ce qu'il est capable de faire. Donc évidemment, il retombe un peu dans les travers caricaturaux de la gauche médiatique. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai eu, je le dis très honnêtement, une enfance préservée. J'ai eu la chance d'avoir cela. J'ai eu la chance, en effet, de ne manquer de rien. Mais je crois pour autant ne pas être une bourgeoise intellectuellement parlant. Nous aurons, je l'espère, au fur et à mesure des années, plusieurs partenaires, puisque c'est vrai que vous avez raison de le dire. Aujourd'hui, nous sommes face à une lame de fond, à un mouvement patriote qui est en train de s'emparer du monde. Je crois que l'utopie du village global, je l'ai vécu. Tout le monde a vu les effets délétères des traités de libre-échange, de la disparition des frontières humaines ou économiques. Et nous avons une nouvelle génération politique qui est en train de tirer les conséquences de ces échecs et d'y apporter des solutions alternatives. Et par ailleurs, non, nous n'avons pas d'impératif de parité, puisque je crois qu'au-delà de la question d'être un homme ou d'une femme, c'est la question de la compétence qui est impératif. Et nous avons aussi des femmes compétentes, donc il y aura des femmes compétentes, mais nous ne sommes pas obsédés par l'idée d'avoir mécaniquement un homme ou une femme. Je pense que c'est une bien mauvaise façon d'aborder les choses, et je crois que les Français se fichent pas mal de cela. Le quinquennat de François Hollande, on peut lui rendre hommage au moins pour cela, c'est l'opération au Mali qui était une réussite. Oui, nous avons soutenu, nous, à l'époque, cette intervention. D'ailleurs, je crois que je me souviens, François Hollande avait dit que c'était le peut-être pas le plus beau jour de sa vie, mais en tout cas le plus beau jour de sa vie de président de la République lorsqu'il était au Mali, ce qui en dit long quand même pour un président de la République française, c'est un peu surprenant. La tendance de tous les politiques face à cette incapacité à recréer un consensus et à accorder des gens très différents dans une vision commune, eh bien la tentation, c'est de faire de l'addition de politique catégorielle, finalement, ce que fait d'ailleurs assez bien Emmanuel Macron, ce qu'on a pu voir d'ailleurs dans différentes tendances de partis, même parfois une tentation que j'ai pu voir, y compris au RN, on était là, les métropoles contre la périphérie, les campagnes contre les villes, les gagnants de la mondialisation contre les perdants de la mondialisation, il y a pu y avoir aussi cette dualité qui a été appuyée, et voilà, donc le vrai défi à mon avis pour ces présidentielles, ça va être de savoir quel est le candidat qui va pouvoir échapper à cette tentative de segmentation de l'électorat et cette tentation de tomber dans la politique catégorielle pour réussir à construire un fait majoritaire sur une société qui est de plus en plus fragmentée. J'ai un... Oh. Ah oui, pas mal. J'ai pas fait de venir. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est un test, c'est le test Alice Coffin. C'est une agression. Merci voilà. Pour cette délicieuse donc, agression. La question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que quand on vous offre des fleurs, vous le prenez pour une agression? Alors moi, je ne me sens pas en compétition avec le genre masculin, loin de là, et je ne les vois ni comme des adversaires, ni comme des ennemis, ni comme des violeurs ou des agresseurs potentiels. Donc à partir de là, non, moi, quand on m'offre un bouquet de fleurs, je suis comme beaucoup de femmes, avec les boîtes de chocolat, je suis absolument charmée. Que sentez-vous sous la douche? Déjà, je ne chante que sous la douche parce que je chante très mal, contrairement au reste de ma famille, donc je ne souhaite pas imposer ça aux autres, malheureusement. Mais je suis extrêmement ringarde du truc comme Gérard Lenormand, vraiment. Oui, si vous ne me regardez pas comme ça. Non, mais pourquoi pas, pourquoi Je ne sais pas si j'aurais dû le dire, je vais... Mais oui, Gérard Lenormand, oui. C'est une autre histoire, mais vous êtes retrouvée dans Closer. Oui, absolument. D'ailleurs, je porte plainte systématiquement, mais malheureusement, vous savez, les amendes sont tellement... dérisoire en France qu'elle ne dissuade pas. Donc oui, ça fait partie des choses. Vous avez pris ça comment ? Écoutez, avec amusement, et puis j'ai mangé des graines pendant 10 jours après, puis j'ai fait des abdos devant ma télé parce que. Mais voilà, donc j'ai un petit orgueil féminin c'était quand même. C'était des photos volées, hein, je précise. Mais voilà, évidemment, je m'excuse, c'était des photos volées. Merci, Martial, vous savez parler aux femmes. Aujourd'hui, on oppose l'économie à la santé.
Et donc, d'une certaine manière, ceux qui feraient entrer en compte la dimension économique, des impératifs économiques de reprise par rapport à la santé, seraient des espèces de salauds, pardonnez-moi l'expression, qui feraient passer l'économie avant la protection des personnes vulnérables. Je trouve que cette approche n'est pas un raisonnement, c'est une sorte de slogan politique, mais c'est une mauvaise manière de raisonner. Pourquoi ? Parce que l'économie, en fait, c'est le travail. Et quand on travaille pour nourrir sa famille, on travaille pour payer son loyer. C'est une nécessité vitale. Donc opposer cette nécessité vitale à cette autre nécessité qui est celle, évidemment, de protéger, dans la mesure du possible, des personnes vulnérables d'un virus, c'est, selon moi, une absurdité. Voilà. Oui. Est-ce que Emmanuel Macron mérite d'être réélu ? Ah ben, moi, ça fait longtemps que je pense. Moi, je pensais qu'il ne méritait même pas d'être élu déjà en 2017. On regarde sa politique actuelle. Et voilà, donc je vais pas me dire que j'ai été convaincue par le personnage. Je pense par ailleurs que c'est quelqu'un qui est extrêmement doué pour faire de grandes déclarations d'intention. Hein, on le voyait, on en parlait tout à l'heure, mais au moment des Gilets jaunes, hein, on a eu des mois, des semaines de grands shows, de débats publics qui n'ont finalement abouti à rien. On voit bien que là aussi, on est un président qui est dans une espèce de verbiage permanent. Mais moi, je me méfie d'autant plus du personnage que je ne vois pas dans sa manière de présenter les choses de révolution mentale. Et je ne m'y attends pas, d'ailleurs. La première chose qu'a dû faire l'Union européenne pour protéger les États, c'est précisément de renoncer à ces dogmes qui font son identité et qui font les raisons de ces traités. Donc on en revient, le pacte de stabilité et l'espace Schengen et la suspension temporaire aussi, l'interdiction des aides publiques. Donc c'est quand même bien qu'il y ait un problème. Par ailleurs, c'est un système qui est structurellement en crise, l'Union européenne. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit « Ah, l'Union européenne est en crise », mais en fait, quand l'Union européenne n'a-t-elle pas été en crise ? Elle a été en crise au moment, évidemment, de la crise de l'euro en 2008, elle a été en crise au moment de l'invasion des migrants aux portes de la Grèce, elle a été en crise au moment du Brexit, elle a été en crise au moment du référendum de 2005. Enfin, je veux dire, en fait, elle est perpétuellement en crise. Aujourd'hui, la France pense qu'elle peut maîtriser le jeu en jouant la carte du couple franco-allemand, à tout prix, dont elle est systématiquement le perdant. Eh bien, peut-être faudrait-il qu'elle remette en perspective cette alliance pour précisément se tourner vers des pays qui ont des intérêts davantage communs avec elle, je pense notamment à l'Italie, qui est un contributeur net, ou même à l'Espagne, pour pouvoir changer la donne et peut-être, en effet, construire une Europe à géométrie variable en fonction des besoins sur un certain nombre de sujets qui pourraient toucher, bien sûr, à la concurrence internationale et à la libre concurrence, qui pourraient toucher à la question aussi des aides d'État et qui pourraient toucher aussi à la question de l'immigration. Bon, voilà. À défaut de cela, soit on continue vers le gouffre, en effet, et peut-être d'ailleurs serait-ce l'Allemagne qui finira par sortir avant nous, lassée finalement par les atermoiements de ses alliés et par le fait de tirer à bout de bras ce système, ou bien on finira par devenir une puissance dérisoire. Est-ce qu'il n'y a pas un regret en se disant, eh bien voilà que les opportunités s'ouvrent, voilà le fait que ce que je disais finit par être accepté et compris des Français, et à ce moment-là, j'ai disparu. Je n'ai pas été la seule, heureusement, à mener les raisonnements qui sont les nôtres. Ce qui est sûr, c'est que je pense que ça va achever de convaincre des gens qui étaient peut-être des hésitants encore aujourd'hui dans la population française sur un certain nombre de sujets. Non, je n'ai pas de regrets parce que je pense que je suis à ma place aujourd'hui. C'est-à-dire que parmi, et on en a rapidement parlé, mais parmi les carences aujourd'hui qu'on constate dans la gestion de crise, je crois que ça tient beaucoup aussi à la formation de nos gouvernants. J'insiste, on a aujourd'hui des gens qui sont des pros de la note de synthèse et qui pensent que la culture générale, c'est des fiches de lecture, et qui ont démontré leur incapacité totale d'esprit critique. Antoine Colonna, journaliste à Valeurs Actuelles, a eu cette très jolie phrase, il dit « Le mondialisme ne se préoccupe pas de l'âme ». Est-ce que vous pensez qu'à contrario, on va observer le retour au vrai, au réel, aux valeurs ? En tout cas… C'est une vue de l'esprit encore. Non, mais c'est un sujet très intéressant parce qu'on pourrait presque philosopher d'une certaine manière sur ce que cette crise dit
de nous et de notre société, au-delà des mesures sur la relocalisation et les mesures techniques et politiques. Parce que c'est vrai que moi, j'ai été interpellée par un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se rend compte, donc il est acquis que finalement, le fait d'assister à une messe n'a pas plus de valeur qu'un cours de yoga, quoi. On a bien vu que c'était absolument inhumain d'empêcher ces personnes, y compris dans leur dernier moment, de voir leur famille. Donc c'est vrai que ça révèle des choses de nous, et probablement que ça a ouvert les yeux à un certain nombre de personnes sur ce qui était fondamental, ce qui était essentiel. Après, sur le rapport à la mort, peut-on relativiser la mort, ou en tout cas, peut-on mieux l'accepter si on ne croit pas à la vie après la mort ? C'est un autre débat. Moi, personnellement, je suis croyante, donc j'ai un réconfort de ce point de vue-là. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis assez choquée par le fait qu'il n'y ait même pas le respect qui devrait être dû aux croyants sur la liberté de culte.